Yo, salut les gamers, comment ça va? Moi ça va, Nishmel Chrome. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale 700 abonnés où je vais vous présenter plusieurs activités de ouf. Si je suis monté aussi vite, c'est grâce à vous. 1000 merci, ou je devrais plutôt dire 700 merci. Alors une dernière chose, un grand merci à tous les joueurs qui m'ont ajouté et tous ceux qui le font encore. Mon PSN c'est Maca4870 et Leto4870, n'hésitez pas à m'ajouter, ça me ferait super plaisir. Mon gamer tag Xbox360 c'est Maca4870, pareil que sur PS3. N'hésitez pas à m'ajouter non plus, j'ai vraiment pas beaucoup d'amis en fait Xbox360, donc ça me ferait super plaisir et je pourrais enfin investir dans le live. Bon, ceci étant dit, on va commencer tout de suite avec la première activité qui est une course avec un bon gros looping. Et si j'ai sélectionné cette course, c'est surtout parce que le looping est parfait en fait. Aucune rampe n'est trop haute, trop basse, aucune voiture ne cale, tout est nickel. Tout passe sans problème. Mais je vous conseille de la lancer en mode sans collision parce que c'est un peu le bordel sinon. J'ai dû la faire avec 15 abonnés différents. Tout le monde a bien aimé, donc vous devrez faire le tour de l'aéroport dans le désert avec d'autres méga rampes. Franchement, elle est vraiment cool, on a tout kiffé. Moi je vous la conseille aussi comme première activité, je trouve que c'est pas mal à présenter. On va passer tout de suite à la deuxième activité, qui est aussi une course bien what the fuck, et vraiment pas mal faite aussi. Vous commencez direct, vous voyez ça. Bim! On savait pas trop où étaient les points jaunes au début, mais finalement on a quand même assez vite compris où ils étaient. Cette course là vaut mieux la faire aussi en mode sans collision, sinon la plupart du temps vous prenez une voiture, que ce soit dans les deux sens en fait. Vous avez une forme en rampe de fleur, on va dire ça comme ça. Pour ceux qui veulent rejoindre le crew, il n'y a aucun souci. Je vais essayer de ne pas oublier de lier cette fois-ci. N'hésitez pas à me proposer vos courses what the fuck, ça me ferait super plaisir. Et peut-être qu'elle se retrouverait dans une de mes vidéos top 3. J'aimerais remercier l'abonné qui m'a montré cette course-ci. Et si tu pouvais mettre un commentaire dans la vidéo pour que je puisse te mettre ton pseudo dans la description, ce serait super cool. On va passer tout de suite à la troisième activité, qui est une course la plus ouf que j'ai jamais vue de ma vie. C'est la robe de perturbé que j'avais parlé à certains de mes abonnés et qui était que sur Xbox, puis finalement hier elle a été publiée sur PS3. Mais comme j'ai dit dans la vidéo précédente, j'ai de super courses, donc c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo d'activité what the fuck, puisque vous aimez vraiment bien ces vidéos là. On se retrouve encore une fois sur l'aéroport de Trévor, et là vous devrez en faire le tour comme d'habitude. Mais vous avez une méga rampe de malade, et je pense que c'est la plus grande rampe de GTA jamais créée à l'heure actuelle. Et là je vous la conseille en mode GTA, parce que franchement on s'est tapé des barres à donf avec les abonnés. J'en profite pour vous rappeler que j'ai un groupe Facebook, Journal du Geek officiel. Vous pouvez le rejoindre sans problème, vous serez au courant plus vite de mes montages vidéo sur les futurs jeux sur lesquels je vais tourner, etc. Certains montages sont des petits récaps des soirées que je passe avec mes abonnés et que je ne publie que sur le groupe. Donc vous ne les verrez pas sur ma chaîne. On passe tout de suite à l'activité bonus qui est un affrontement tout de suite la fête foraine dans les airs. Je suppose que j'ai pas besoin de vous préciser que c'est un affrontement à main nue et qu'il n'y a aucune arme disponible sur la map. C'est juste dommage que je n'ai pas eu assez de joueurs sur cet affrontement aussi, parce que je pense qu'on serait tapé des barres à fond avec 8 ou 9 joueurs, il y aurait eu moyen vraiment de se marrer. Vous aurez des containers en hauteur empilés sous forme de pyramide, ce que je trouve vraiment pas mal fait parce que franchement il y a de la recherche. Elle est cool aussi, on s'est vraiment bien amusé avec les abonnés, parce que dans un seul et unique container, tout au-dessus au milieu, ça bug à fond, tout le temps. Franchement, c'est à chaque fois, je me tapais 50 coups de poing, j'avais rien compris, je mourais direct. Comme vous avez sûrement pu le voir, j'ai commencé à prendre que des abonnés pour faire mes vidéos what the fuck, donc n'hésitez pas à m'ajouter en ami.
Bon ben voilà, cette vidéo touche tout doucement à sa fin. J'aimerais une dernière fois remercier tout le monde de votre soutien. N'oubliez pas de liker Max et partager ma vidéo. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous laisse sur ces images et je vous dis bon game les geeks de mort. We'll be right back.